Le Yunnan est une région très connue pour sa biodiversité et aussi pour la tradition de la plantation et de la culture de plantes médicinales. Les plantes médicinales de la médecine chinoise ont pendant longtemps été collectées sans avoir été replantées. Et aujourd'hui, il y a clairement une problématique au niveau de la ressource. Les Lissous sont une ethnie minoritaire, donc ils ont des conditions de vie qui sont parfois plus précaires, plus difficiles, en particulier dans un milieu montagneux. Ils vivent dans des zones isolées et où les ressources économiques sont très limitées. La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur en Chine. Beaucoup d'écosystèmes sont dégradés et il s'agit d'aller au cœur de ces réserves de biodiversité, comme dans le Yunnan, pour participer à notre mesure à la préservation de ce patrimoine à la fois culturel, historique et naturel que représente la médecine chinoise. Pure Projet développe un large programme de reforestation, d'agroforesterie et de plantation de plantes médicinales. Nous avons démarré les programmes dans deux villages, à Liming et à Meile, où nous aidons donc les communautés locales à planter des plantes médicinales, le Chenglo, le Fuzi, le Tianma, le Qinzhou, la gentiane. 就是在种植中草药时候，你觉得这保护环境重要吗？那也肯定是的。我们这种这个就不用去砍那个，什么呢？叫做白银豆是吧？那个豆干不用去砍了，所以也就是说是保护了。L'objectif du projet pour les agriculteurs, c'est non seulement de planter ces plantes et ces arbres, mais aussi de commercialiser ces plantes médicinales en développant leur propre coopérative pour que eux-mêmes transforment ces produits et les vendent à des acheteurs nationaux. C'est l'esprit de nos projets, d'aider des communautés défavorisées à développer des ressources économiques diversifiées. Donc l'objectif, c'est d'aider ces producteurs à planter des plantes médicinales et des arbres pour régénérer leur écosystème, participer à la préservation de leur biodiversité et donc préparer leur futur d'une manière durable.